Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au séminaire en ligne sur l'énergie durable de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. Mon nom est Maryse Labrier et je suis la coordinatrice de ces séminaires. Donc, le séminaire d'aujourd'hui porte sur l'évaluation de la performance environnementale et sociale des projets hydroélectriques, notamment grâce au protocole d'évaluation de la durabilité de l'hydroélectricité. Sujet mobilisateur, puisque vous êtes plus de 720 personnes à vous être inscrites à ce séminaire. Donc, avant de lancer nos discussions, quelques informations logistiques. Tout d'abord, pour écouter le séminaire, vous avez deux options. Par votre ordinateur, choisissez audio-ordinateur dans la zone audio du panneau de configuration. C'est l'option par défaut. Si la qualité sonore n'est pas bonne, vous pouvez aussi vous connecter par téléphone en choisissant appel téléphonique, puis suivez les instructions. Les difficultés sonores que certains peuvent rencontrer dépendent de la qualité des connexions Internet et sont hélas hors de notre contrôle. Dans ce cas, vous aurez la possibilité de voir et écouter le séminaire après coup, puisque l'enregistrement sera disponible dans environ une semaine sur le site de l'IFDD. Pour améliorer la qualité de votre connexion, fermez toutes les applications non utilisées sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Pour poser des questions, donc écrivez vos questions dans la zone de questions du panneau de configuration à n'importe quel moment du séminaire. Les questions seront discutées avec nos invités à la toute fin des présentations. Veuillez noter que parfois, des questions similaires sont posées par plusieurs participants et dans ce cas, bien sûr, nous répondrons seulement une fois à vos questions. Et finalement, si le temps nous manque, nous vous apporterons des éléments de réponse par courriel. Pour revoir et partager le séminaire, je vous rappelle que l'enregistrement audiovisuel et les diapositives seront disponibles dans environ une semaine sur le site Internet et la page YouTube de l'IFDD aux adresses indiquées ici. Vous y trouverez aussi tous les séminaires passés. Ces documents sont publics, ils sont accessibles gratuitement et en tout temps, donc n'hésitez surtout pas à les partager avec vos collègues. Nous vous rappelons que l'IFDD ne recommande ni n'appuie aucun produit ou service particulier et les renseignements qui sont fournis dans ce séminaire ne représentent pas une position ou une opinion de l'IFDD. Donc aujourd'hui, après quelques mots d'introduction sur les activités de l'IFDD, nous écouterons les présentations de deux experts conférenciers, puis suivra une période de questions et discussions et le séminaire se terminera par un sondage d'opinion. Donc, j'invite maintenant Monsieur Ibrahima Dabo de l'IFDD à nous dire quelques mots. Merci Maryse. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce jeudi francophone de l'énergie durable. C'est le dixième et dernier épisode de l'année 2018 de ce séminaire en ligne organisé par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, qui, comme vous le savez, est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous remercions toutes celles et tous ceux qui y participent. Depuis 30 ans déjà, l'IFDD a toujours innové dans son rôle d'instrument de coopération dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. Dans ces domaines, la mission de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, au service des acteurs francophones, est de contribuer à, premièrement, la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d'acteurs de développement des pays de l'espace francophone. Deuxièmement, l'accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de développement durable. Troisièmement, la promotion de l'approche développement durable dans l'espace francophone. Et quatrièmement, l'établissement et la consolidation de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et social. C'est ainsi que, dans le cadre de son programme Énergie durable, l'IFDD a lancé, depuis ces derniers mois, une série de séminaires en ligne visant à renforcer la gestion et la diffusion de connaissances reliées aux trois axes principaux du programme, que sont l'accès des populations aux services énergétiques modernes, la promotion de l'efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables. Vous constaterez au passage que ça se recoupe parfaitement avec justement cet objectif du développement durable numéro 7. Tout particulièrement,
Le sujet de ce 10e séminaire en ligne sur les principes et applications du protocole d'évaluation de la durabilité de l'hydroélectricité est parfaitement en lien avec les premiers et troisièmes axes. Complémentaires aux autres outils d'information et de communication, tels que les fiches prismes sur la maîtrise de l'énergie et la revue Liaison énergie francophonie, les séminaires en ligne s'inscrivent donc directement dans les objectifs de l'IFTD. Ces séminaires en ligne constituent ainsi une opportunité de valoriser les connaissances, expertises et partenariats et de stimuler de nouvelles idées dans le secteur de l'énergie durable. Parmi les activités de l'IFTD en lien avec le sujet de ce jour, vous trouverez en particulier les fiches prises, dont certaines portent sur les énergies variables, les énergies marines, l'hydroélectricité, entre autres. Également, vous constaterez que l'IFDD travaille avec l'Association internationale de l'hydroélectricité, IHA, ainsi que ses membres et partenaires pour promouvoir la durabilité de l'énergie hydroélectrique et les atouts de cette forme d'énergie pour combler les besoins des pays francophones. Notamment, l'IFDD a co-organisé avec ses partenaires, donc de l'AIH, une concertation francophone lors du dernier congrès mondial de l'hydroélectricité. C'était en mai 2017 à Addis Abeba et nous envisageons également de continuer cette collaboration lors du prochain congrès qui se tiendra à Paris, donc en mai 2019. C'est aussi l'occasion de souligner la contribution de notre partenaire de longue date Hydro-Québec, qui a permis la traduction et la mise à disposition des francophones de deux documents dérivés du protocole de l'Association internationale de l'hydroélectricité, à savoir, d'une part, les outils d'analyse des écarts environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre des projets hydroélectriques, ainsi que, d'autre part, le nouveau chapitre du protocole d'évaluation de la durabilité de l'hydroélectricité portant sur les changements climatiques. Vous pourrez retrouver un aperçu de l'ensemble de nos activités sur le site internet de l'IFDD. Pour finir, je voudrais souhaiter que le dynamisme positif que nous créons toutes et tous avant, pendant et après chaque séminaire est toujours aussi particulier. Et ceci est permis grâce à toutes celles et tous ceux qui contribuent au succès de ce nouveau rendez-vous d'information et de formation francophone. Je les en remercie vivement. Je vous remercie également, vous, les centaines de participants dans plusieurs dizaines de pays qui avaient encore réservé ce créneau horaire pour ce 10e séminaire en ligne. Sur ces mots, je souhaite à toutes et à tous un très bon séminaire en ligne. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Davon. Donc, l'hydroélectricité est effectivement au cœur de la production électrique de nombreux pays, y compris en Afrique. Or, une grande partie des projets hydroélectriques connaissent des retards lors de leur développement, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Et retards qui sont souvent dus à des raisons non techniques. Et cette situation reflète combien les aspects sociaux et environnementaux des projets ne reçoivent pas toujours la même attention que les aspects techniques et financiers. C'est ce qui fait qu'aborder les questions de durabilité des projets hydroélectriques, en particulier sous ces angles sociaux et environnementaux, est essentiel pour éviter ces retards et donc le dépassement de coûts et garantir la réussite à long terme des projets, voire accéder au financement. Donc, quels sont les outils d'évaluation disponibles pour les développeurs, pour les promoteurs de projets? Comment les utiliser? Quels sont des exemples d'applications? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans ce séminaire. Et pour y répondre, nous avons la chance d'avoir avec nous trois experts particulièrement actifs dans le domaine. Donc, tout d'abord, Grégory Trax est directeur du développement à l'Association internationale de l'hydroélectricité, où il contribue au développement des affaires pour les membres et au rayonnement stratégique de l'association. Il supervise notamment le Congrès mondial de l'hydroélectricité. Plus largement, son expérience couvre les politiques publiques et la communication dans le secteur de l'énergie. Il a précédemment occupé des postes liés au climat et à l'énergie en France et aux États-Unis.
Donc aujourd'hui, Grégory nous présentera les outils de développement durable de l'hydroélectricité tels que proposés par l'association. Margaret Trias est responsable de projet à Toulouse Engineering. Elle est aussi évaluatrice indépendante agréée pour le protocole de durabilité de l'hydroélectricité. Madame Trias compte près de 20 ans d'expérience en ingénierie et études environnementales et sociales dans les secteurs de l'énergie, des mines, des ressources hydriques et de la qualité de l'eau. Elle effectue régulièrement des vérifications de diligence raisonnable et évaluation de projets à travers le monde. Aujourd'hui, Margaret nous partagera son expérience dans l'application à des projets bien concrets du protocole de durabilité de l'hydroélectricité. Et finalement, spécialiste senior en développement durable à l'Association internationale de l'hydroélectricité, Joao Costa travaille au développement et à la mise en œuvre d'une série d'outils de développement durable qui servent de guide au secteur hydroélectrique et qui permettent d'évaluer la performance des projets. Il a travaillé comme ingénieur civil sur de nombreux projets internationaux d'infrastructures au Portugal, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, Joao participera à la période de discussion et de questions qui se tiendra à la fin du séminaire. Donc, Greg, je vous donne la parole. Merci Maryse, merci Ibrahima et merci également à tous les auditeurs et participants de ce séminaire en ligne. Je suis ravi au nom de l'Association internationale de l'hydroélectricité de vous présenter les activités que nous avons menées au cours de ces dernières années pour guider les bonnes pratiques de développement durable dans le secteur. Alors, ma présentation durera environ 10 à 15 minutes. Je voudrais pouvoir couvrir les différents éléments que vous voyez à l'écran. D'abord, une courte introduction, un petit détour par les défis d'hydroélectricité pour que vous sachiez dans quel contexte cette discussion se tiennent. Et enfin, aller en plus de détails dans les différents outils qui sont à disposition des développeurs, des opérateurs, pour améliorer la qualité de leur projet. Et finalement, le dernier point sera un regard sur l'application de ces outils et je laisserai la parole à Margaret pour nous donner quelques expériences de cette utilisation. Alors, l'Association internationale de l'hydroélectricité, qu'est-ce que c'est? Très brièvement, nous sommes un réseau, nous sommes une communauté d'entreprises, d'organisations, d'individus, d'experts et de preneurs de décisions qui ont un intérêt ou qui ont l'hydroélectricité dans leur portefeuille professionnel. Nous avons été créés en 1995 sous les auspices de l'UNESCO et notre mission est de promouvoir une hydroélectricité durable. Dans notre ADN, il y a cette idée que nous sommes plus à même d'aborder les questions qui sont relatives au secteur de l'hydroélectricité lorsque nous travaillons ensemble. Et c'est pour ça que je souhaite dire de premier abord que nous travaillons avec plus d'une centaine de membres de l'association. Vous reconnaîtrez le logo de certains d'entre eux sur cet écran. On a parlé de Hydro-Québec, d'EDF, mais également en Afrique francophone, la CIE ou l'ONE. Vous pouvez voir notre liste de membres sur notre site internet. La deuxième chose que je voulais dire brièvement, c'est que nous travaillons avec un réseau de partenaires parce que il y a depuis le début de l'association, nous avons réalisé que l'hydroélectricité ne se développe pas de manière isolée. Il y a des parties prenantes qui ont une influence sur le développement des projets, sur l'opération des projets. Il est important aussi tôt que possible d'engager ces parties prenantes et c'est le succès des projets repose sur l'engagement avec les parties prenantes. Et c'est pour ça que nous travaillons depuis le début avec des institutions de financement, de développement, des instituts de recherche et d'université, des organisations de la société civile, des organisations internationales et bien sûr les entités gouvernementales de par le monde. Et c'est quelque chose qui est l'ADN de l'association et qui se retrouve également dans les différents outils dont je vais parler aujourd'hui. Ces outils qui servent à guider le développement durable dans le secteur de l'hydroélectricité ont été faits non pas juste par l'association, mais par ce réseau de contacts
et de partenaires à travers le monde. Alors, pourquoi parle-t-on d'hydroélectricité aujourd'hui? On parle de l'hydroélectricité parce que c'est une énergie renouvelable qui va jouer un rôle important dans l'atteinte des objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies, mais également qui jouera un rôle pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris de réduction des gaz à effet de serre. L'hydroélectricité en tant que telle est une énergie renouvelable, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut également aider au déploiement d'autres énergies renouvelables, par exemple le solaire et l'éolien. Alors, quand on regarde la carte du monde et le développement de l'hydroélectricité à travers le monde, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a l'hydroélectricité joue déjà un rôle important dans de nombreux pays. Vous l'avez mentionné, Maryse, et l'association aussi reconnaît qu'il y a un potentiel qui n'a pas été exploité dans tous les continents. Et pour pouvoir exploiter ce potentiel, pour pouvoir s'assurer que l'hydroélectricité va jouer un rôle de soutien aux politiques publiques et de soutien au développement, il faudra que certains défis soient abordés et qu'on puisse trouver des solutions en commun à ces défis. L'association a identifié un certain nombre de défis pour le secteur pour lesquels nous avons développé des initiatives ainsi que des projets qui servent à mettre en avant les solutions qui ont été trouvées, élaborées par nos membres à travers le monde et par nos partenaires. Et quand la solution n'a pas été trouvée, eh bien nous jouons un rôle de coordinateur pour identifier les synergies et aussi un rôle de catalyste pour développer une réponse à ces défis. Si vous voulez d'autres informations sur ces différents éléments, je vous invite à entrer en contact avec l'IHA. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le développement durable et ce qui a été fait par l'association et ses partenaires pour pouvoir répondre à ce défi particulier. Alors, il y a beaucoup de façons de parler du développement durable. J'ai choisi ici, dans cette diapositive, de prendre l'exemple d'une pyramide pour parler de quatre choses, des fondations de la durabilité dans le secteur de l'hydroélectricité, des guides de bonnes pratiques internationales de l'industrie, du protocole d'évaluation de la durabilité des projets hydroélectriques et enfin de l'outil d'analyse des lacunes dans le domaine environnemental, social et la gouvernance, dont je ferai référence dans la suite de la présentation en disant l'outil ESG, environnemental, social et gouvernance. Alors, pourquoi une pyramide? Parce que c'est l'occasion de mettre en avant le fait que à la base de cette pyramide, ce sont 26 thèmes que nous avons identifiés il y a longtemps déjà et qui constituent tous les éléments qui sont vraiment importants pour le développement durable des projets hydroélectriques. Alors nous parlons de sujets environnementaux, de sujets sociaux, mais également de sujets qui ont trait à la finance et de sujets techniques. Pour nous et pour nos partenaires, le développement durable a trait à tous ces sujets. Vous remarquerez que cette liste de sujets, de thèmes, est très exhaustive et qu'elle est aussi particulière à l'hydroélectricité. Et c'est ce qui était important à l'origine de cette initiative, de ce que nous avons fait autour du développement durable, c'est d'identifier quels sont les sujets qui sont vraiment spécifiques à l'hydroélectricité. Il y a beaucoup d'aides, beaucoup de normes, de standards qui existent sur le développement des projets d'infrastructure. Mais la spécificité de notre travail, c'est que nous avons identifié les thèmes qui étaient particuliers à l'hydroélectricité. Et donc, vous retrouverez dans ces thèmes, par exemple, des sujets comme la qualité de l'eau, la relocalisation des populations affectées, les bénéfices du projet et plus récemment, l'atténuation et la résilience au changement climatique. On en dira un mot plus tard dans la présentation. Ces 26 thèmes constituent la base de notre travail. Alors, au sommet de cette pyramide sont nos guides de bonnes pratiques internationales de l'industrie qui ont été, encore une fois, développés en partenariat avec les parties prenantes du secteur.
Ces guides de bonnes pratiques définissent pour chacun des thèmes les bonnes pratiques. Ça permet aux acteurs du secteur de se mettre à jour, de comprendre quelles sont les attentes vis-à-vis du secteur. Et ces bonnes pratiques peuvent également être intégrées dans des spécifications contractuelles. Alors, entre la base et ce sommet, qu'y a-t-il ? Alors, il y a différents outils qui permettent d'aider les développeurs et les opérateurs à améliorer leurs pratiques et à se diriger vers l'application de bonnes pratiques de manière plus constante, de manière plus structurée. Le premier outil dont je voudrais parler, c'est le protocole d'évaluation de la durabilité des projets hydroélectriques, parce que c'est historiquement le premier outil que nous avons décrit. Alors, il y a plusieurs façons de parler du protocole. On peut utiliser le mot d'audit, si cela permet de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. J'utilise aussi parfois le mot d'une photo, d'une photographie. C'est pour ça que nous avons ce symbole sur cette diapositive, parce qu'il s'agit de voir à un moment donné quelle est la performance d'un projet sur les 26 thèmes abordés qui ont attrait au développement durable de l'hydroélectricité. Alors, le protocole, quelles sont les caractéristiques de ce protocole ? Le protocole est exhaustif puisqu'il s'attache à regarder la performance d'un projet sur les 26 sujets. Il est systématique parce que sur chaque sujet, certains critères sont évalués, toujours les mêmes, et une évaluation est faite sur chacun de ces critères. Il est objectif parce que l'évaluation qui est faite du projet est faite par des évaluateurs indépendants accrédités, et également parce que la gouvernance du protocole est une gouvernance qui est multiple, avec de nombreux parties prenantes qui ensemble décident de l'application, résolvent les conflits qui peuvent apparaître lors de l'utilisation du protocole, et accréditent les évaluateurs. Il est applicable pour toutes les étapes de la vie d'un projet, depuis la préparation jusqu'à la mise en œuvre et l'opération. Il est également utilisable pour tous les types de projets, que ce soit un projet au fil de l'eau ou un projet qui a un réservoir, que ce soit un projet de petite capacité ou de grande capacité. Cet outil a cette flexibilité de pouvoir s'adapter à toutes les tailles et tous les types de projets. Alors, qu'y a-t-il ? Quel est le négatif de cette photographie ? Comment arrive-t-on à ce résultat ? J'ai ici les différentes étapes qui peut-être vous aideront à comprendre comment cette évaluation est faite. D'abord, il s'agit d'identifier l'étape dans laquelle votre projet est situé, que ce soit l'étape préliminaire, la préparation du projet, la mise en œuvre ou l'opération. Bien entendu, le projet ou l'application du protocole est la plus utile quand elle est faite aussi tôt que possible dans la vie du projet. Lorsque cela a été identifié, sur chacun des 26 thèmes, il s'agit d'évaluer la performance du projet sur 6 critères qui ont trait à l'évaluation de ce thème, la gestion, la participation des parties prenantes, le soutien des parties prenantes, les résultats obtenus, et ensuite l'adéquation et la conformité de ce critère aux normes en place. Sur chacun de ces critères, on analysera la performance du projet, ce qui permettra de donner une notation qui va de 1 à 5. La notation numéro 3 indiquera que le projet suit les bonnes pratiques de base. La notation 5 indiquera que le projet applique pour ce critère
pour ces critères, les pratiques exemplaires éprouvées au niveau mondial. S'il y a une lacune par rapport aux pratiques exemplaires, alors sur ce thème, le projet sera noté 4. S'il y a une lacune par rapport aux bonnes pratiques de base, alors le projet sera noté 2. Et s'il y a plus d'une lacune, le projet sera noté 1. On pourra revenir là-dessus. Quels sont les projets qui ont utilisé le protocole d'évaluation de la durabilité? Eh bien, l'application a été faite déjà sur plus de 30 projets de manière officielle, et parce qu'il est également possible d'utiliser le protocole de manière non officielle, il y a bien plus de projets autour du monde qui se sont servi du protocole pour guider la durabilité et la responsabilité environnementale et sociale des promoteurs du projet autour du monde. Je voudrais ici m'arrêter un instant sur deux projets en particulier. Ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait le résultat d'une évaluation. Sur chacun des 26 projets, un score est donné et cela vous permet en un instant, c'est particulièrement utile pour les décideurs publics, de voir quelles sont les forces et les faiblesses d'un projet. Je voudrais m'arrêter sur le cas de Blanda en Islande, qui a reçu le prix IHA Planète Bleue pour reconnaître qu'il était l'un des projets les plus performants au vu de l'utilisation du protocole. Je m'arrêterai aussi un instant sur Reventazone au Costa Rica, dont Margaret parlera un peu plus tard dans la présentation. Quel est l'autre outil dont je veux parler aujourd'hui? Eh bien, c'est l'outil d'analyse des lacunes, l'outil ESG, qui est en fait un outil plus léger qui permet de se concentrer sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Cela aussi comprend les questions relatives au changement climatique. C'est un outil qui est donné, qui est offert aux développeurs, aux promoteurs de projets, pour plusieurs raisons. La première, par exemple, c'est qu'il est peut-être moins coûteux en temps et en argent de se focaliser sur ces questions, si on est confiant que les autres sujets ont été particulièrement bien traités. Il est également utile pour pouvoir avoir accès à la finance verte. Les financiers s'intéressent particulièrement aux questions environnementales, sociales et de gouvernance. C'est un outil qui est un outil de gestion et donc quand on utilise l'outil ESG, on nous donne également la possibilité ou on nous donne des explications sur la façon dont les lacunes pourraient être comblées, ce que le protocole ne fait pas. Le protocole est un simple audit des pratiques. L'autre avantage de l'outil ESG, c'est qu'il est cohérent en qualité et en contenu avec ce cadre dont nous avons parlé un peu plus tôt. Il utilise les thèmes qui sont les mêmes que ceux du protocole. Et donc, il y a une cohérence entre le protocole et l'outil ESG. Je voudrais m'arrêter là avant qu'on parle de l'application concrète et je vais laisser la parole à Margaret pour aller en davantage de détails sur l'application du protocole. Merci. Merci Greg, merci Maryse, merci Monsieur Dabo de m'avoir invité pour participer sur ce séminaire. C'est un sujet que je tiens à cœur, l'hydroélectricité et le protocole aussi, comme Maryse l'a expliqué dans son introduction. Je suis une évaluatrice agréée du protocole. J'ai appliqué le protocole dans trois
sur trois projets et je vais pouvoir partager avec vous les résultats du projet de Revet Passon au Costa Rica, comme l'a mentionné Greg plus tôt. Alors, je vais commencer par répéter un peu ce que a mentionné Greg. Alors, le protocole, c'est quoi? C'est un document de référence et quatre outils d'évaluation qui permettent d'évaluer la durabilité des projets hydroélectriques. Alors, dans le schéma, il y a en bas les quatre étapes d'un projet hydroélectrique, l'étape préliminaire, l'étape de préparation, l'étape de réalisation de construction d'un projet et l'étape d'exploitation. Alors, comme l'a mentionné Greg, il y a 26 thèmes dans le protocole qui sont évalués. Bien entendu, c'est pas, il n'y a pas 26 thèmes pour chaque étape du cycle de vie d'un projet. Par exemple, à l'étape préliminaire d'un projet, il y a moins d'informations disponibles, alors il y a moins de thèmes à évaluer. À part des thèmes qui sont évalués dans le protocole, il y a aussi un certain nombre de questions fondamentales et transversales qui apparaissent dans plusieurs thèmes, comme par exemple le thème des droits de l'homme, les questions transfrontalières, les moyens de subsistance, etc. Les droits de l'homme, par exemple, on en parle dans le thème de relocalisation, dans le thème des peuples autochtones, aussi dans le thème de l'évaluation et la gestion de l'impact environnemental et social, et aussi dans le thème qui touche la main-d'œuvre et les conditions de travail. Alors, il y a un thème qui est nouveau, qui s'est rajouté aux thèmes qui sont évalués dans le protocole, et c'est l'atténuation du changement climatique et la climato-résilience. Alors, vous allez voir, quand je vais vous parler d'un projet en particulier et d'une évaluation de Revet Passon, le changement climatique n'était pas un thème à part, c'était une de ces questions transversales qui était abordée dans plusieurs thèmes. Alors, comment est-ce qu'on évalue chaque thème? Alors, on les évalue, comme Greg l'a mentionné dans ses diapositives, à deux niveaux. On commence par le niveau 3, qui est la bonne pratique de base. Alors, le niveau 3, c'est vraiment le niveau auquel tout projet devrait s'orienter, quel qu'en soit le contexte. Alors, le niveau 5, c'est un niveau de performance plus élevé, c'est la pratique exemplaire éprouvée. Alors, obtenir un 5, une notation de 5 pour tous les thèmes, c'est vraiment un objectif difficile à atteindre. Et en arriver à avoir un 5 dans plusieurs thèmes, vraiment implique des décisions pratiques sur la priorité imposée par l'entreprise et le projet en ce qui concerne la répartition des ressources et des efforts. Mais c'est quand même possible. Alors, il a été prouvé dans plusieurs cas, dans plusieurs pays et même dans des petits projets qu'on peut avoir une notation de 5 ou une note de 5 sur plusieurs thèmes. Voilà, alors ici, c'est un exemple de comment on évalue chaque thème et chaque critère. Alors, pour chaque thème, il y a des critères à évaluer. Ici, je vous donne un exemple des critères à évaluer au niveau 3 pour le thème des peuples autochtones. Alors, vous voyez qu'il y a six critères à évaluer. Alors, il faut évaluer le thème du point de vue de son évaluation, de sa gestion, la participation des parties prenantes, le soutien des parties prenantes, l'adéquation à la conformité et les résultats.
On passe à la prochaine. Et après, vous allez voir un autre exemple où il y a moins de critères à évaluer. Alors ici, au niveau 5, pour le thème P1, communication et consultation, par exemple, on évalue au niveau de son évaluation, la gestion, la participation des parties prenantes et l'adéquation et la conformité. Alors, il y a des thèmes qui sont petits à évaluer, et il y en a d'autres qui en ont quatre. Alors, dépendamment du thème et du stade dans lequel trouve le projet, on évalue plus ou moins de critères. Alors, comment est-ce qu'on évalue chaque thème? Alors, du côté pratique, lors d'une évaluation, on évalue chaque thème en fonction de trois éléments. Alors, premièrement, les preuves tangibles ou des éléments probants, comme par exemple des rapports, des études d'impact environnemental, des études d'avant-projet, de faisabilité, etc. Ce sont des preuves ou des documents qui permettent de vérifier si un critère a été satisfait ou non et dans quelle mesure il a été satisfait. Ensuite, lors d'une évaluation du protocole et de la visite sur site, on tient des entretiens avec des représentants du projet, des organismes publics et gouvernementaux et des parties prenantes du projet. Alors, ces entretiens permettent aussi de vérifier des aspects qui sont mentionnés dans les documents ou les preuves tangibles ou aussi apporter d'autres éléments qui nous permettent d'évaluer chaque thème. Et ensuite, bien sûr, il y a les preuves visuelles, les observations sur le site et les photos qui font partie de notre évaluation. Alors maintenant, je vais, pour illustrer tout ce qu'a expliqué Greg sur le protocole et pour expliquer un peu ce que je viens d'introduire comme thème, comme sujet, je vais vous parler de l'exemple de Reventason au Costa Rica. Alors, Reventason, c'est un projet qui a été développé et conçu par ICE au Costa Rica. C'est l'Institut du Costa Rica pour l'électricité. Alors, c'est une évaluation qui a été financée par l'assistance technique de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a retenu les consultants Golder Associés pour faire l'évaluation du projet selon le protocole de durabilité de l'hydroélectricité. Alors, Reventason, c'est un barrage en enrochement avec un mascamon en béton de ciment. C'est un barrage de 130 mètres de hauteur avec un réservoir qui a une superficie d'environ 7 km carrés. Et c'est un projet d'une puissance de 305,5 MW. Alors, c'est un grand projet. L'évaluation a eu lieu l'année dernière, entre le mois de juin et septembre. Alors, c'était une évaluation assez rapide. L'évaluation s'est déroulée selon plusieurs phases que je vais vous expliquer dans les prochaines diapositive. La prochaine diapositive vous présente les étapes d'une évaluation et en particulier l'évaluation de Reventason. Ce n'est pas toutes les évaluations qui passent par toutes ces phases distinctes, mais l'expérience de Reventason a passé par plusieurs étapes. Une première étape préliminaire ou d'initiation de l'évaluation, suivie par une étape de planification et des ateliers de formation qui ont eu lieu sur place au Costa Rica. Une évaluation sur le site qui a été faite par un groupe de quatre évaluateurs agréés. Ensuite, ces quatre évaluateurs ont rédigé le rapport et suite à la finalisation du rapport, il y a eu un atelier de restitution des résultats sur place.
Ensuite, à la suite de cet atelier, le rapport s'est finalisé et il est en ce moment en période de commentaires. Alors, le rapport est sur le site Internet de ICE et puis le public a l'opportunité d'y apporter leurs commentaires. Alors, la prochaine diapositive va expliquer en plus de détails les étapes, l'étape préliminaire ou d'initiation de l'évaluation. Alors, cette étape est dirigée par le représentant en chef des évaluateurs. Alors, comme j'expliquais, cette évaluation en particulier a été menée par 4 évaluateurs et un des 4 est le représentant chef des évaluateurs. C'est un évaluateur qui a un peu plus d'expérience que, beaucoup plus d'expérience que les autres 3. Lors de cette étape préliminaire, il y a eu un atelier sur place au Costa Rica, à San José, avec la Banque mondiale et 2 des 4 évaluateurs. Ils ont fait un atelier de formation. Ah non, pas encore. L'atelier de formation viendra plus tard. Pardon. Alors ici, le représentant chef des évaluateurs, il a eu des rencontres avec le personnel clé de ICE pour expliquer comment se déroule une évaluation, pour aider la compagnie, le développeur ou l'opérateur d'identifier le personnel clé et un point de contact principal pour l'équipe des évaluateurs. Ils ont choisi l'outil adéquat. Ici, pour l'exemple de Reventason, Reventason était à la toute fin de la phase de réalisation de construction du projet. Quoi qu'il était en opération, la phase de construction ou de réalisation n'était pas encore terminée. Alors, ils ont choisi l'outil de réalisation et non l'outil d'opération ou d'exploitation pour l'évaluation parce qu'il y avait beaucoup plus d'informations sur la réalisation du projet que de l'exploitation qui venait tout juste de commencer. Alors, ils ont choisi l'outil allait être déployé sur le projet et ils ont choisi l'équipe des évaluateurs. Alors, dans ce cas, pour Reventason, 2 des 4 évaluateurs parlaient espagnol, les 2 autres étaient anglophones. Alors, ils ont décidé les rôles et responsabilités de chacun et ils ont mis le représentant chef des évaluateurs a donné des exemples de ce que sont ces preuves tangibles et quelles sortes de candidats à l'entretien seront nécessaires lors de l'évaluation. Alors, la prochaine diapositive parle de la deuxième étape qui s'est déroulée au Costa Rica. Il y a eu des ateliers de formation auxquels le personnel interne de ICE et des organismes gouvernementaux publics Costa Rica et des membres de la Banque mondiale ont participé. Alors, c'était vraiment une façon d'expliquer à un public assez large quel protocole, comment allait dérouler l'évaluation du projet. Et à part des ateliers de formation, il y a eu des ateliers aussi avec l'équipe interne de ICE sur comment rassembler toute la documentation nécessaire et les éléments probants nécessaires pour pouvoir évaluer tous les thèmes qui devaient être évalués lors de l'évaluation. Alors, on s'est préparé le calendrier d'évaluation, la planification des entretiens, la planification de la visite de site des 4 évaluateurs sur place et de la logistique. Alors, si je veux vraiment souligner le fait qu'il faut pas sous-estimer le travail derrière la préparation, la planification des visites de site et de la logistique des 4 évaluateurs. Par exemple, au Costa Rica, il y avait des entretiens qui devaient se faire dans la capitale
salle, des entretiens qui devaient se faire avec des parties prenantes sur place ou sur place au projet et les parties prenantes à l'entour du projet. Il y avait aussi une planification très importante des traducteurs et des interprètes. Alors, comme j'ai mentionné, il y avait deux évaluateurs qui parlaient espagnol, qui pouvaient parler espagnol, comprendre, faire les entrevues en espagnol, mais il y en avait deux qui étaient anglophones et avaient besoin d'interprètes. Le coût, la logistique des interprètes est important. C'est aussi une des considérations importantes lors de la rédaction du rapport. Pour le rapport de Reventason, je crois que c'est le premier qui a été préparé non seulement en anglais, mais aussi dans une autre langue, en espagnol. Alors, le coût de la traduction du rapport a été assez important et c'est une des considérations qui est importante qui l'évaluation future, surtout dans les pays francophones, devront tenir compte. Aussi, à cette étape, on a planifié une réunion de clôture à la fin de l'évaluation sur le site. Alors, la prochaine diapo va expliquer un peu les éléments de l'évaluation sur le site. Alors, pour résumer et pas trop m'allonger sur ce thème, il y avait, lors de l'évaluation sur le site qui a duré une semaine, il y a eu 94 entretiens, dont 11 étaient des entrevues téléphoniques. Alors, 94 entretiens, entrevues qui duraient entre une demi-heure et une heure ou 2 heures de temps, c'est quand même significatif et la logistique liée à la planification de ces entretiens était assez importante. Ensuite, il y avait 477 documents, rapports différents que les évaluateurs, alors l'équipe de quatre, devaient réviser et regarder pour pouvoir évaluer tous les thèmes qui ont été évalués. Il y a aussi 196 photos qui ont été mises en annexe au rapport pour illustrer les différents points de l'évaluation. Alors, à la fin de cette évaluation sur le site, il y a eu un atelier qui a présenté les résultats préliminaires sans donner des notes ou sans attribuer une notation aux différents thèmes. Par exemple, quand c'était clair qu'il y avait des thèmes qui avaient quand même démontré une bonne pratique de base, on a pu confirmer que ce thème avait au moins une notation de 3, mais pour des notations au-delà de la notation de 3, on a gardé ça, on n'a pas encore mis de notation, quoi. Mais ce qu'on a aussi pu présenter dans cet atelier étaient des lacunes au point de vue de la documentation ou des éléments probants qui nous manquaient pour pouvoir vérifier que certains critères étaient atteints. Alors, ça a permis à toute l'équipe interne de lycée de vraiment pouvoir chercher ces éléments probants et de les rassembler pour nous les donner pour qu'on les prenne en compte lors de la rédaction du rapport. Alors, ça a aussi permis à l'équipe d'apporter des précisions additionnelles en réponse aux commentaires qu'on avait. Alors, l'étape suivante, c'était vraiment la rédaction du rapport. Les quatre évaluateurs, à l'aide du transfert d'éléments probants additionnels et de tous les éléments qu'on avait rassemblés pendant l'évaluation, on a pu préparer un rapport préliminaire pour commentaires. Le rapport préliminaire, je vais partager un peu les résultats de l'évaluation.
Ici, vous avez le diagramme en toile d'araignée qui permet de visualiser la notation des thèmes qui ont été évalués. Je vais attirer votre attention au bas de la toile d'araignée. Vous allez voir, il y a un thème qui n'est pas pertinent dans ce cas. C'est le thème des peuples autochtones. Alors, dans ce cas, il n'a pas été évalué parce que le projet n'affectait pas de peuples autochtones. Aussi, je veux mentionner que dans le cas de Reventason, on a évalué 20 thèmes. Alors, ici, vous voyez sur le schéma la figure, les thèmes vont de I1 à I20. Je crois que ça, c'est la traduction espagnole du thème R1 à R20. Maintenant, je veux seulement vous dire que maintenant, il y a actuellement 21 thèmes pour l'outil de réalisation. Le 21e thème, c'est, je crois que je l'ai mentionné brièvement au début de ma présentation, l'atténuation du changement climatique et la climato-résilience. Ce thème n'a pas été évalué lors de l'évaluation au Costa Rica parce que ce n'était pas encore un thème officiel, mais le sujet du changement climatique est quand même abordé dans d'autres sujets. C'était un de ces sujets ou une de ces questions transversales. Alors, les résultats de l'évaluation sont présentés sous forme de figures. Vous pouvez voir qu'une notation de 5 a été évaluée pour plusieurs thèmes. Et ils sont. Oui, Marie, tu peux passer à la prochaine. Ils sont aussi présentés sous forme de tableau. Alors, ici, je m'excuse, c'est en espagnol. La version du rapport, du dernier rapport est en espagnol, mais c'est seulement pour illustrer un peu qu'on évalue au niveau 3 quelles sont les lacunes significatives. Ici, dans ce tableau, vraiment, on mentionne, on explique chacune des lacunes pour chaque critère, évaluation, gestion, compromis des parties prenantes. On explique quelles sont les lacunes pour chacun des thèmes abordés. Alors, si on passe à la prochaine diapo, vous allez voir qu'il y a des petites étoiles en dessous, des astérisques, où on mentionne qu'il y a aussi des lacunes au point de vue d'un autre critère pour la même lacune. Alors, quand on évalue un projet, il y a souvent des lacunes significatives qui ne sont pas seulement applicables à un seul thème. Ils sont applicables sur plusieurs thèmes. On les mentionne à chaque fois, mais on ne les compte pas deux fois. Alors, bien qu'il y ait une lacune, par exemple, ici, il y a un exemple, il y avait une non-conformité d'un engagement avec la compagnie de voies ferrées faire un centre de visite. Par exemple, c'est un compromis qu'IC avait fait dans leur étude d'impact environnemental et dans leurs permis environnementaux qui n'avaient pas poursuivi. Alors, les évaluateurs ont considéré que c'était une lacune et cette lacune affectait plusieurs thèmes, mais on ne l'a comptée qu'une fois. Alors, comment on fait pour décider dans quel thème cette lacune est significative ou non? Ça dépend des conséquences de la lacune. Alors, si c'est une lacune significative au point de vue de la gestion la gestion environnementale et sociale, par exemple, ou du côté de la consultation ou de la participation des parties prenantes, on va le compter sur ce thème.
toutes les évaluations ne sont pas nécessairement officielles. Alors, pour qu'une évaluation soit officielle, comme celle de Reuben Tasson et comme celle que Greg a présentée dans sa présentation, elle doit être évaluée par un évaluateur agréé. Alors, pour parler un peu des évaluateurs agréés, les évaluateurs agréés ont une formation multidisciplinaire. Alors, les équipes qui sont rassemblées pour faire les évaluations, quelquefois, c'est quatre évaluateurs, comme le cas de Reuben Tasson. Mais il y a des cas où il n'y en a que deux pour des petits projets. Il y a des cas où il y en a peut-être cinq. Ça dépend de l'envergure du projet, de la complexité du projet. Mais l'équipe est aussi multidisciplinaire. Alors, il y a des évaluateurs qui sont des économistes. Il y a des évaluateurs qui sont des spécialistes sociaux. Il y a des évaluateurs qui ont une formation en génie, en hydrologie, en hydraulique, en conception de projets hydroélectriques. Et bien sûr, il y a plusieurs évaluateurs agréés qui ont une formation environnementale, biologique, etc. Alors, en plus d'être évalué par un évaluateur agréé, l'évaluation ou l'organisation responsable du projet ou l'opérateur doit attester son soutien par écrit. Alors, dans chaque rapport officiel, vous allez voir en annexe l'attestation par écrit de soutien de l'organisation responsable du projet. En plus, l'évaluation doit respecter toutes les directives des évaluations publié par le Conseil d'évaluation de la durabilité de l'électroélectricité de l'IHA. Et ensuite, il y a une période de commentaires. Le rapport doit être mis à la disposition du public, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Pour le cas de Reuben Tasson, vous pourrez trouver le rapport complet sur leur site Internet et leur faire part de vos commentaires. Un autre point important et intéressant qui était particulier, je crois, et Greg, tu pourras me corriger si ça s'est fait ailleurs, mais ce qui s'est fait à la suite de l'évaluation de Reuben Tasson, il y a eu un atelier régional à Saint-José qui a été célébré par la Banque mondiale, IC, et IHA. Et c'était pour partager l'expérience, l'évaluation et les résultats de Reuben Tasson avec des représentants gouvernementaux régionaux. Alors, il y a eu la participation de représentants du gouvernement du Costa Rica, du Pérou, du Chili, Honduras et du Panama qui étaient présents à cet atelier. En plus, il y a eu des représentants de projets hydroélectriques où le protocole a été appliqué dans le passé. Alors, ces représentants sont en place pour présenter leur expérience à leur tour. Alors, vous voyez une représentation qui a été sur place à l'atelier quand même assez large, qui incluait les gens du Népal, du Vietnam, de la Norvège, de la Colombie, du Paraguay, de la France et même du Canada. Greg aussi était présent, la Banque mondiale et aussi, bien sûr, les membres de IC et d'experts internationaux, par exemple, la Banque interaméricaine de développement, qui finançait le projet aussi, eux aussi étaient présents. Je ne sais pas, Greg, si tu veux ajouter quelque chose sur l'atelier. Ce que je vous propose, excusez-moi, pour que nous ayons du temps encore pour la période de questions, ce serait de conclure directement et nous pourrons revenir éventuellement sur cet atelier pendant la période de questions. Donc, Margaret, je vous propose que vous partagiez oui. rapidement les leçons apprises et ainsi nous pourrons avancer. D'accord. Alors, les leçons apprises pour l'exemple de Reuben Tasson, et je crois que ces mêmes leçons apprises peuvent s'appliquer sur les deux autres projets auxquels j'ai participé
qui était au Bhoutan et en Autriche, c'est que l'application du protocole vraiment permet de souligner les points faibles d'un projet. C'était évident, tous les projets auxquels j'ai participé, tous les projets ont pu quand même atteindre une notation de 5 sur quelques thèmes, mais vraiment ce que les opérateurs ou les responsables de projet, leur plus grand bénéfice était vraiment de souligner les points faibles de leur projet. Aussi, ça permet de différencier et de prioriser les lacunes. Ça différencie ce qui est une lacune significative des autres et des conséquences de ces lacunes. Alors, ça permet aussi de distinguer entre la bonne pratique de base, qui est un niveau que tous les projets devraient pouvoir atteindre ou du moins cibler, et ce qui est vraiment la pratique exemplaire éprouvée. Alors, c'est tout pour ce que j'ai à dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Margaret. Et donc nous terminons avec quelques mots à nouveau de la part de Greg pour nous dire que faire si nous voulons appliquer ce protocole ou devenir évaluateur. Donc Greg, vous avez à nouveau la parole. Merci Maryse et merci Margaret. Je vais essayer d'être rapide sur ces points-là pour qu'on puisse avoir une période suffisante de discussion. Juste un point, on a parlé de l'atelier qui a été fait après l'évaluation de Reventazone. C'est quelque chose qui est en fait assez courant parce que l'utilisation du protocole, c'est aussi une manière de communiquer avec les parties prenantes. C'est aussi un voyage. Ce n'est pas juste la destination qui est importante, c'est aussi le parcours que l'on suit pour arriver à cette évaluation. Et donc, il y a une communauté qui se forme autour de cette évaluation, à la fois une communauté interne, toutes les personnes à tous les niveaux de l'entreprise qui participent, parce que le développement durable s'applique à de très nombreux sujets, et aussi la communauté des parties prenantes extérieures. Donc, c'est un bon outil pour faire entrer la responsabilité sociale dans l'entreprise. Alors, c'est ce dont je parlais. Les autres avantages de l'utilisation du protocole peuvent également être que on peut réduire le risque de délai dans le projet lorsque le protocole est utilisé à un stade préliminaire. Cela, à la fin, résultera sur un retour sur investissement qui est maximisé par l'entreprise. Donc, il y a aussi également des aspects financiers dans l'utilisation du protocole. Cela aussi permet d'effectuer une analyse comparative du projet, puisque la structure, la façon dont le protocole est utilisé est la même partout dans le monde, sur tout type de projet. Cela permet une comparaison plus facile des différents projets. Alors, sur utiliser le protocole et ses outils dérivés, comment cela se passe-t-il en pratique, si à la fin de ce séminaire, vous êtes intéressé, que devez-vous faire? Alors, vous pouvez vous lancer dès demain dans une analyse ESG ou dans une évaluation officielle. Vous pouvez créer un cahier des charges et faire un appel d'offres pour réaliser cette évaluation. Ce que l'on dirait, cela dit, c'est attention. Il est toujours préférable d'avoir de la préparation pour l'utilisation d'un outil nouveau. Donc, de même manière que vous pouvez vous lancer demain, si vous n'avez jamais fait de ski, vous pouvez acheter vos skis et partir dans la montagne. Il est préférable d'avoir un entraînement, il est préférable de se préparer avant de faire cela. Donc, ce que l'on peut dire, vous avez les étapes 1 et 2 qui sont là sur cette diapo. Je dirais qu'il y a une phase d'information, une phase de formation qui peut être faite où les cadres de l'entreprise vont discuter de
de l'évaluation du projet, choisir le projet par exemple, s'assurer qu'il y aura une coordination interne sur l'utilisation du protocole. Il peut peut-être y avoir une phase de formation formelle des équipes pour expliquer ce qui va être attendu, quels sont les documents qui vont devoir être présentés, comment les entretiens vont se dérouler, etc. Donc, cette formation sera, dans notre expérience, toujours utile. Et les développeurs ou les promoteurs de projets peuvent également effectuer une évaluation autonome par eux-mêmes. Le protocole est peut-être téléchargé sur le site internet hydrosustainability.org à tout moment et vous pouvez déjà regarder un peu ce qui est attendu de vous et opérer une évaluation autonome. Alors, évidemment, pour la qualité et pour la cohérence des résultats, il faudra que l'analyse au final soit officielle pour pouvoir faire des revendications, pour pouvoir dire, voilà, mon projet a eu un score de 3 qui est la bonne pratique internationale sur ce sujet. Il faudra que l'évaluation ait été faite par un évaluateur agréé. Et au point sur la phase préliminaire avant la formation, l'information, c'est les conseils que l'association peut donner à ses membres. Soit sur le chemin à suivre, si vous n'êtes pas sûr, si vous ne savez pas si vous allez faire une analyse ESG ou une évaluation officielle, l'association aide ses membres et également vous pouvez être à travers l'association être mis en contact avec d'autres utilisateurs du protocole. Le dernier point sur cette slide, c'est que lorsque vous avez fait une évaluation officielle, vous êtes éligible au prix Planète Bleue de l'association qui récompense les projets qui ont été les plus qui ont eu les résultats les plus satisfaisants. Donc, sur la formation, nous organisons des séances de formation régulièrement. La prochaine aura lieu à Londres au mois de février. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations à ce sujet. Ce qui se passe généralement, c'est que après la formation, vous obtenez donc cette certification qui doit être validée soit par la. Alors, si vous souhaitez effectuer des accréditations ESG par le futur, dans l'avenir, vous devrez être observateur sur l'une des évaluations ESG qui aura lieu pour s'assurer que votre formation est complète. Donc, il y a un aspect pratique en plus de l'aspect théorique. Et si vous souhaitez être évaluateur accrédité sur des évaluations utilisant le protocole, donc les évaluations, les audits, alors vous devrez être observateur sur une évaluation en réel après votre formation pratique théorique. Voilà, je m'arrête là. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. On a mentionné le Congrès mondial de l'hydroélectricité. Ce sera l'occasion de rassembler cette communauté d'utilisateurs du protocole, de l'outil ESG, d'échanger l'expérience sur la façon dont le développement durable peut être appliqué dans les projets hydroélectriques autour du monde. Voilà. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association hydropower.org. Il y a également un autre site qui est hydrosustainability.org. Je m'excuse de l'anglicisme. Si vous cherchez simplement sur Google le protocole d'évaluation de la durabilité, vous pourrez trouver nos publications, l'outil à télécharger pour un peu mieux comprendre de quoi il s'agit et également les informations sur les prochaines séance de formation. J'ajouterai que vous trouverez également sur le site hydropower.org une publication qui s'appelle Better Hydro, qui est en fait un résumé ou une compilation des meilleures pratiques, des bonnes et meilleures pratiques qui ont été observées lors des récentes évaluations de projets utilisant le protocole. Voilà, Maryse, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Grégory et Margaret. Donc, nous amorçons maintenant la période de questions et discussions à laquelle pourra participer également donc Monsieur Joao Costa. Donc, pour les participants, juste vous dire que Joao n'est pas complètement francophone, donc il interviendra plus en appui de nos deux autres experts selon la nature des questions. Donc, merci Joao d'être parmi nous.
Je rappelle également que les questions se posent par écrit donc dans la plateforme du séminaire. Nous avons déjà beaucoup de questions qui ont été soulevées par les participants. Alors, pour démarrer, je veux juste rappeler, bon, beaucoup de questions portent sur comment devenir un évaluateur, où trouver l'information, où trouver l'outil, le protocole en lui-même et les outils associés. Donc, je veux juste insister auprès des participants que donc, la plupart des informations qui ont été présentées donc, sont disponibles sur Internet. Donc, vous allez recevoir ces diapos. Nous allons insérer donc, tous les liens requis pour que vous puissiez accéder aux différents documents, outils, sessions de formation qui sont offertes. Donc, vous aurez l'information directement dans les diapositives. Je voudrais juste soulever une question ici concernant la disponibilité de l'information en français. Greg, si vous pouvez nous dire quelques mots sur l'information actuellement disponible en français ou disponible sous peu, notamment concernant le changement climatique. Je crois qu'il y a une publication qui est en cours de traduction. Oui, alors le protocole, dans sa version originale, est disponible en français sur le site internet du protocole, hydrosustainability.org. Très bientôt, en début d'année, nous aurons la traduction en française, en français de l'outil ESG, ainsi que la nouvelle partie du protocole dédiée au changement climatique. Tout cela a été fait avec le soutien de Hydro-Québec et donc, pour la communauté francophone, ces documents seront disponibles en début 2019. D'accord, merci beaucoup. Donc, quelques questions maintenant sur le déroulement et la manière d'appliquer ces différents outils. Une question qui revient à plusieurs reprises, donc quelle est la différence entre le protocole et les outils que vous proposez et les études d'impact environnemental qui se font habituellement sur un projet d'hydroélectricité? Alors, je parle ici sous le contrôle de Joao, qui m'a donné tous ces éléments d'information. Je vais essayer de répondre d'une phrase pour chaque question, Maryse, pour qu'on puisse avoir autant de questions possibles. Alors, la différence entre le protocole et une étude d'impact environnemental, c'est que le protocole va s'assurer que vous avez bien fait une étude d'impact environnemental et social. Le protocole va s'assurer aussi que vous l'avez faite en fonction des standards de bonnes pratiques internationales. Donc, c'est une espèce de liste qui s'assure que vous avez fait tout ce qui est attendu de vous au niveau international. Alors, justement, une autre question. Que se passe-t-il dans le cas de pays, donc de projets qui sont implantés dans des pays qui ne disposent pas d'une législation très avancée concernant la participation publique, concernant l'évaluation environnementale et sociale? Comment se place le protocole dans ce cas-là? Alors, c'est une bonne question. Les projets hydroélectriques, de par leur nature, aujourd'hui, sont des projets qui sont le plus souvent internationaux. L'expertise est internationale, l'écho du projet est international. Donc, c'est pour cela que le protocole utilise ce qui a été défini comme une bonne pratique internationale. Donc, le protocole est d'une certaine façon indépendant des législations nationales. Et on est très content quand les législations s'inspirent du protocole pour pouvoir s'assurer que les projets sont faits de manière la plus appropriée possible, mais le protocole se place au niveau des attentes des décideurs, des financiers, des parties prenantes internationales. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Oui. Non, tout à fait. Alors, une question complémentaire. Qui habituellement lance l'utilisation d'un outil tel que le protocole? Est-ce que ce sont plus, et dans votre expérience, et Margaret, vous pouvez également témoigner à ce niveau-là, est-ce que ce sont les développeurs de projets, les États, les bailleurs de fonds, qui sont les demandeurs les plus fréquents? Alors, je ne sais pas si Margaret veut ajouter quelque chose sur ce point. Notre expérience est que ça vient à la fois des opérateurs, des développeurs et des bailleurs de fonds qui souhaitent s'assurer que les risques qui sont attachés au projet, les risques sociaux et environnementaux, ont été bien adressés. Margaret? Oui, non, c'est tout à fait ça.
Moi, les évaluations auxquelles j'ai participé, dans un des cas en Autriche, c'était le développeur qui voulait vraiment le faire d'eux-mêmes pour pouvoir démontrer bon, ce qu'ils avaient fait envers plutôt dirigé vers le public. Et les deux autres cas, c'était la Banque mondiale qui, à travers leur assistance technique. Alors voilà, oui. Ok, merci beaucoup, Margaret. Existe-t-il des projets en Afrique qui ont fait l'objet d'évaluations selon le protocole? Et si oui, donc lesquels? Et sinon, pourquoi? Bonne question, bonne question. Il y a eu des évaluations, pas suffisamment, en particulier en Afrique francophone, ce qui est l'objectif de ce séminaire, c'est d'inspirer les participants à utiliser ces outils. Alors, sur les dernières utilisations, je peux mentionner par exemple qu'il y en a eu 6 au Ghana, il y en a eu une au Mozambique, une utilisation officielle cette année. Il y a eu d'autres des utilisations autonomes en Zambie, au Zimbabwe, au Mozambique encore, et plus récemment, une utilisation de l'outil ESG en Zambie, avec, je voudrais noter que l'outil ESG a été lancé en milieu d'année 2018, donc autour du mois de septembre, donc c'est très récent. Très bien. Est-ce que dans l'application du protocole, donc au moment de son application, il y a possibilité d'adapter les différents paramètres ou critères selon le cas? Ou est-ce que le protocole exige un respect très, très serré des instructions? Alors, vous êtes libre d'adapter le protocole tant que vous le faites dans un cadre qui n'est pas officiel. Lorsque vous faites une évaluation autonome, vous pouvez choisir de vous concentrer sur certains aspects ou ne pas traiter d'autres aspects. Mais lorsque l'on passe à une évaluation officielle, pour maintenir la cohérence de vos résultats, il faut suivre le standard du protocole. Très bien. Et combien coûte une telle évaluation? Quelques questions finalement. Donc voilà, logistique, disons. Combien coûte une évaluation? Qui paye pour cette évaluation-là? Et combien de temps ça prend en moyenne? Alors sur la durée, je vais laisser Margaret répondre parce qu'elle a l'expérience du terrain. Sur le coût, ça dépend. Je suis vraiment désolé, j'ai pas de prix à vous donner ici en direct, mais cela dépend de la taille du projet, ça dépend de la logistique, de l'accès au site pour les évaluateurs, ça dépend de la complexité du projet. S'il y a un projet qui est, par exemple, à cheval entre deux pays, il y a de la taille du projet également. Donc, tous ces critères entrent en ligne de compte pour l'évaluation du coût. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, le coût est bien moindre que celui d'un impact environnemental et social. Ça peut aller pour vous donner un chiffre, parce que je sais que vos auditeurs veulent un chiffre. Ça irait, je pense, entre. Je vais parler en livres sterling, parce que nous sommes basés à Londres, entre 70 000 et 100 000 pour un peu plus de 100 000 livres sur une évaluation complète, officielle, sur les 26 thèmes. Alors, l'évaluation ESG peut se faire à un coût moindre parce qu'elle se focus, elle se concentre sur 12 sujets et est faite de manière plus agile. Donc, on peut avoir un coût qui est plus proche des 30 000, j'ai envie de dire, livres sur une évaluation ESG. Alors, avec beaucoup de. Je donne ces chiffres et ce sont à traiter avec beaucoup de soins. Cela dépend de chaque projet. Alors, pour la durée, comme j'ai mentionné pour le cas de Reventason, tout s'est déroulé entre les mois de juin et septembre 2017. Alors, c'était assez rapide. Et ça inclut l'atelier régional qui a été célébré à Saint-Crozet, qui a été présenté par la Banque mondiale et l'IHA. Alors, ça, c'était assez rapide.
Et c'est habituel, une telle durée est habituelle, donc juste quelques mois. Moi, je crois que normalement, ça prend plus de temps. Les autres évaluations auxquelles j'ai participé, c'était plus long. Il y avait plus de temps entre chaque étape. Faut tenir compte aussi du fait que le rapport n'est pas tout à fait finalisé. Il est encore en période de commentaires. Alors, on en est à la fin 2018. Alors, il y a quand même cette étape d'aller-retour avec les commentaires entre les évaluateurs et IC. Et maintenant, il est en phase de commentaires pour le public. Alors, Margaret, une autre question pour vous. Plusieurs participants se demandent à quel moment il est préférable de faire l'évaluation. À quel moment dans le développement du projet il est préférable de faire l'évaluation et est-ce que l'évaluation doit se répéter plusieurs fois? Alors, il y a quatre outils. Alors, l'outil, par exemple, de préparation se fait avant la réalisation ou avant que débute la construction d'un projet. Mais il est mieux de le faire quand il y a quand même une série de documents qui sont disponibles, comme par exemple l'étude d'impact environnemental et social. Alors, s'il n'y a pas encore cette étude d'impact environnemental et social, il n'y a pas beaucoup de documents ou d'éléments probants qui permettent vraiment d'évaluer un projet à cette étape. Même chose pour l'étape de réalisation. Si l'étape de construction vient tout juste de commencer, il est difficile d'évaluer tous les thèmes et tous les critères pendant cette phase de construction si cette phase vient tout juste de commencer. Alors, l'application des outils vraiment s'applique vers la fin de la phase de chaque outil. Une autre question justement en termes de coûts et planification. Maintenant, pour devenir évaluateur, combien de temps ça prend, la formation, combien de temps prend-elle et combien ça coûte et qui paye pour ces formations? Oui, alors c'est une formation initiale. La formation théorique se fait sur 5 jours. Et à un coût d'environ 4 500 livres pour les évaluateurs. Et suite à cet entraînement théorique, il y a aussi le temps qui sera passé sur la première évaluation ESG ou la première évaluation protocole. Juste une question à laquelle on n'a pas répondu, Marie, c'était qui paye pour ces... Oui, excusez-moi, effectivement. Notre expérience est que ça varie. Ça varie. On a les développeurs eux-mêmes qui ont participé au coût de ces évaluations. Il y a également la participation des bailleurs de fonds. Ça dépend vraiment sur le projet, quels sont les objectifs. S'agit-il de le faire en amont aussi tôt que possible pour bien structurer les bonnes pratiques? Est-ce qu'il s'agit de le faire à la fin d'un projet pour communiquer sur ce qui a été fait? Il y a vraiment, ça dépend vraiment des objectifs qui sont derrière cet outil qui est quand même assez polyvalent en termes d'usage, en termes de ce que l'on peut en faire. Et d'ailleurs, ce qui me permet aussi d'insister sur le fait que si vous faites une évaluation au début, comme Margaret l'a mentionné, ça vraiment vous permet de mettre toutes vos équipes bien au courant des attentes internationales, de partir sur de bonnes bases. Alors, il n'est pas nécessaire de refaire une évaluation plus tard. Généralement, la photo qu'on prend, la photo du projet, ce que j'ai mentionné dans ma présentation, est une photo haute définition. Donc, il y a une quantité extraordinaire d'informations que vous pouvez rassembler sur votre projet via une évaluation avec le protocole. Donc, c'est une photo, certes, mais c'est une photo haute définition qui permet d'avoir un grand nombre de bénéfices.
Donc, une question sur encore sur les évaluateurs. Donc, qui peut être évaluateur en fait? Est-ce qu'en termes de formation académique, il y a certaines formations qui sont exigées? Est-ce qu'il y a une sélection qui se fait? Est-ce que ce sont plutôt des consultants? Est-ce que des membres d'associations peuvent également devenir évaluateurs? Si vous pouvez nous donner quelques éléments d'information rapides sur ces questions. Donc sur qui peut devenir auditeur, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Est-ce que vous exigez une forme, Alors, une expertise particulière? par la magie du bouton muet, j'ai pu en parler avec Joao. Donc, ce que l'on attend, c'est un minimum de 6 ans d'expérience pour les évaluateurs dans le domaine de l'audit en particulier. Margaret a cette expérience même. Donc, vous partez dans de bonnes bases quand vous avez déjà l'expérience d'un auditeur. Hein. Margaret, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ben oui, effectivement, il y a beaucoup de consultants qui sont évaluateurs. Comme j'expliquais tout à l'heure, ils ont une formation multidisciplinaire. Moi, vraiment, ce qui m'a attirée envers le protocole, je vais parler de mon cas en particulier, c'est cet aspect multidisciplinaire. Alors, moi, j'ai une formation en biologie, mais aussi en génie civil. Alors, moi, j'aime bien voir les deux côtés d'un projet. Mais en plus du côté technique et du côté environnemental et social, ce qu'offre le protocole, c'est tout ce qui est gouvernance, viabilité économique, financière. Ce sont vraiment des thèmes qui englobent tout un projet. Alors, c'est non seulement le technique, l'environnement, le social, mais aussi tout ce qui est gouvernance, gestion intégrée de projet. Alors, les évaluateurs ont des formations variées. Alors, il nous faut des évaluateurs francophones parce qu'il y en a pas. Je crois qu'il y en a pas. Greg, tu me corrigeras si je me trompe, mais à À part part moi, vous, à oui, part vous, Margaret. à part moi, et aussi, il faut qu'ils aient une formation variée parce que c'est très utile lors d'une évaluation d'avoir une équipe où, alors cette personne-ci est plutôt technique, cette personne-ci est plutôt une spécialiste du côté social et un économiste pour toucher les thèmes plutôt économiques ou financiers. Alors, c'est très utile et ça permet aussi à l'équipe d'apprendre des autres évaluateurs. De leur formation. Alors, moi, c'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas, Merci. Greg ou Joao. Non, en fait, je vais me tourner maintenant vers Ibrahima de l'IFDD pour toucher justement au sujet de la disponibilité d'outils de formation en français. Donc, je voulais voir avec vous, Ibrahima, si vous avez déjà prévu des activités spéciales pendant le congrès 2019, comme vous l'aviez fait donc il y a 2 ans. Est-ce que donc vous avez déjà un plan d'action ou des activités prévues en ce sens? Écoutez, lors du congrès mondial, on fera comme on a eu à faire récemment donc avec nos partenaires, AIH, Hydro-Québec et d'autres partenaires, c'est-à-dire on essaiera de réunir la communauté francophone autour de la thématique disons, principale disons, du congrès. Mais ce sera aussi l'occasion d'échanger et disons, de partager toute la documentation en français qui sera disponible. Bon. Maintenant, en termes d'activités spécifiques, dédié à cette question qui est extrêmement importante. Peut-être pas l'évaluation de la performance environnementale et sociale, mais comment faire, disons, une étude d'impact environnemental et social, comment élaborer un plan de gestion environnementale et sociale. Là, très certainement, ce sont des choses qui pourront être faites, peut-être pas directement par mon collègue Koné qui est là à côté de moi et moi-même. Mais disons en synergie avec l'autre département, notamment ce qu'on appelle chez nous MOGED, maîtrise des outils de gestion de l'environnement. Bon, ce sont des choses aussi qui reviennent assez souvent avec les formations que nous menons avec l'Université de Saint-Laurent,
d'Alexandrie, où justement il y a pas mal d'activités relatives à cette question qui sont menées. Je termine peut-être en disant que je verrai avec ma collègue, est-ce qu'on peut reconduire l'atelier que nous avons eu à mener il y a 2 ans avec l'ASEA, c'est l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, un atelier justement qui concernait, c'était à Abidjan, les études d'impact environnemental et social de, concernant les projets hydroélectriques. On a eu à le faire à Abidjan donc, il y a 2 ans. Je verrai voilà, justement comment avec des partenaires comme l'ASEA, comme d'autres partenaires, et pourquoi pas des partenaires comme l'AIH, comment justement organiser une formation dans le domaine. Merci beaucoup. Alors écoutez, pour terminer, je vais grouper 2 questions qui pourraient constituer une sorte de clôture de notre discussion. C'est tout d'abord, vu l'intérêt suscité par le protocole et tous les thèmes qui sont couverts, pourquoi appliquer cet outil seulement à l'hydroélectricité? Pourquoi ne pas l'étendre à d'autres formes d'énergie? Et une question quelque peu différente, mais qui néanmoins montre l'intérêt suscité par ces outils. Donc, existe-t-il un logiciel ou une application informatique qui pourrait aider à l'application de ces outils? Donc, je vous demanderai, Greg, Margaret, si vous pouviez répondre à ces 2 questions rapidement, et ça constituerait la fin de notre discussion. Oui. Alors, pourquoi ne pas étendre l'application du protocole à d'autres formes d'énergie renouvelable, par exemple? Je sais que ça s'est fait de façon non officielle. Alors, juste pour compléter ce que Margaret a dit sur l'application à d'autres secteurs, oui, on est content que le secteur de l'hydroélectricité a développé ces outils et que si jamais ça peut aider d'autres secteurs à améliorer les pratiques dans leur propre domaine. On est très content de collaborer avec les personnes qui veulent faire cela. Juste un point d'information, c'est qu'on sait qu'en Islande, par exemple, le protocole a inspiré les participants qui sont dans le domaine de la géothermie à développer un outil similaire. Donc restez branchés, il y aura peut-être plus de protocoles dans notre domaine à l'avenir. Merci. Et donc, concernant la disponibilité de logiciels, d'une application ou de tout autre outil informatisé, existe-t-il ce genre d'outils? Sont-ils utiles pour l'application du protocole? Et oui, si seulement on pouvait avoir une app, une application qui pourrait nous assurer des bons scores sur tous ces sujets, ce serait formidable. Il y a plusieurs logiciels qui existent ou pour aider les développeurs et les opérateurs de projets. On en a on a à peine touché, mais par exemple sur l'évaluation, la prédiction des gaz à effet de serre, il y a un outil qui existe qui vous permet d'avoir une idée des gaz à effet de serre de votre réservoir. Donc ça aussi, on est content de pouvoir le partager avec nos membres sur des outils futurs qui pourraient guider les développeurs et les opérateurs. On y travaille. On aimerait que ces concepts dont on a parlé aujourd'hui soient dans la poche de tout le monde, d'une façon de parler, mais aussi physiquement. Donc, on aimerait aussi pouvoir développer plus d'applications et plus d'aide. On y parviendra avec le soutien de cette communauté de personnes et d'entreprises, d'organisations qui sont dédiées à faire avancer et promouvoir une hydroélectricité durable. Et du côté de l'IFDD, existe-t-il des outils qui pourraient contribuer à ce type d'évaluation? Ibrahima connaît? Oui, bon, des outils, il en existe chez nous qui permettent en fait d'avoir une idée très précise hein, sur ces évaluations environnementales et sociales, pas spécifiquement pour les projets hydroélectriques, mais pour des projets de façon globale, des projets énergétiques. Il y a déjà cet outil dont certains sont
sont familiers, donc traitement de l'information pour des politiques énergétiques favorisant l'éco-développement, c'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est un outil qui propose une série d'indicateurs simples et faciles à adapter aux différents contextes et qui permettent d'orienter, de mesurer et d'aider à vérifier les projets des politiques énergétiques pour aider les pays voilà, à atteindre l'éco-développement. Ça, c'est l'outil IPE. Mais l'outil système d'information énergétique, ici aussi, qui existe, dont on avait eu à parler, je pense, le jeudi passé, cet outil permet, entre autres, de quantifier les gaz à effet de serre, dont on sait que, justement, une grande part est due à nos modes de production et de consommation énergétique. Donc, le fait d'avoir une comptabilité précise, justement, permet de quantifier ces émissions de gaz à effet de serre. D'autres outils aussi de développement durable sont développés au niveau de l'Institut. Je pense en consultant le site, on peut voir, par exemple, la grille d'analyse de développement durable, d'analyse systémique de la durabilité. Donc, à mon avis, ce sont autant d'outils qui peuvent contribuer à comprendre justement cette problématique environnementale, sociale, comment jauger la performance justement de tous ces projets que nous implémentons. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Nous avons déjà donc dépassé la durée habituelle de nos séminaires qui montrent l'intérêt suscité par le sujet. Et effectivement, donc, nous avons été aujourd'hui plus de 300 personnes en ligne pendant ce séminaire. Donc, je vous rappelle que l'enregistrement du séminaire et les diapositives seront disponibles en ligne d'ici une semaine sur le site de l'IFDD, au lien indiqué ici et sur YouTube. Beaucoup de participants ont soulevé cette question-là. Donc oui, les diapos et l'enregistrement seront disponibles. Vous aurez les contacts des experts dans les diapos ainsi que les liens vers les pages Internet où vous pourrez trouver le protocole et les outils qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poursuivre les échanges via les réseaux sociaux en utilisant les mots-clics qui sont indiqués sur cette diapo, donc SELIFDD ou séminaire en ligne IFDD. De même, contactez l'IFDD par courriel si vous souhaitez suggérer des thématiques qui vous intéressent, voire même manifester votre intérêt à être partenaire d'un des séminaires. Donc, une dizaine de séminaires en ligne sont organisés chaque année. Consultez le site de l'IFDD ainsi que les réseaux sociaux pour en connaître la programmation. Ce séminaire était le dernier de 2018. Donc, nous le finissons en beauté avec un sujet particulièrement intéressant pour finir cette première série de séminaires. Nous reviendrons avec une nouvelle programmation en 2019, mais je vous annonce déjà que le prochain séminaire se tiendra le jeudi 31 janvier et portera sur la norme ISO 50001. Donc, en attendant, je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie à nouveau les experts conférenciers, donc Grégory, Margaret et Joao. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à très bientôt.